Alors, attendez, je vérifie. Ok. Donc, salut à tous les amis, c'est Dragonfire. J'espère que vous allez bien et que la vidéo vous plaira. On continue sur Diablo 4. Donc, on va apprendre un peu plus de choses. Et grâce à qui ce coup-ci? Grâce à Blizzard. Diablo 4 se dévoile. Donc, attention, il y a peut-être un petit spoil ici pour ceux qui n'ont pas fini Diablo 3 ou l'ont pas fait. Donc, je suis navré. Ensuite, nous partirons dans Diablo 4. Nous découvrirons un peu plus. On connaît peut-être pas mal de choses, comme là, les barbares et les personnages. Mais en tout cas, Blizzard nous apprend un petit peu plus sur Diablo 4. Alors, je sais pas si je mettrai la cinématique. Je pense que la cinématique, j'apprendrai en vidéo seule. Je vais d'abord vous laisser regarder la bande d'annonce pour que ça fasse un début de vidéo. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez, début de vidéo dans 5, 4, 3, 2, 1. The dream continues to haunt me, old friend. It always starts with a journey to a distant land. There I find a city in flames, streets choked with corpses, unthinkable destruction. I witness senseless slaughter, brother against brother, pure hatred. And then, executions, agony, suffering surrounded me until my turn comes. They burn my eyes, break my bones. I awaken in terror. There's no one left to stand against them. Allez, ça c'est fait, maintenant on s'occupe de la suite. Donc Diablo 4 se dévoile. Bizarre, je vais lire ce que vous proposez. C'est parti. Donc la partie spoil, je pense. C'est parti. Après la destruction de la pierre d'âme noire, la défaite du démon primordial et la chute de Mathael, ange de la mort, d'innombrables vies ont été perdues et les habitants de Sanctuaire traverse une période sombre, les années ont passé et alors que la vie commence à peine à reprendre son cours, une menace vieille comme le monde s'éveille à nouveau. Diablo 4 est la nouvelle incarnation du jeu de rôle et action emblématique adoré par les joueurs. Découvrez des nouvelles fonctionnalités diaboliques, des défis impitoyables et replongez au cœur des ténèbres. Voici un aperçu des horreurs qui vous attendent. Ça, je vous laisserai soit le découvrir, soit je vous le prendrai en petite vidéo pour vous le montrer. Ensuite, blablabla, oh il y avait l'annonce ici, un avenir lugubre. Diablo 4 se déroule de nombreuses années après les événements de Diablo 3, qui a vu les cieux et les enfers faire des millions de victimes.
Le vide laissé par les deux factions fait surgir un nom légendaire, celui de Lilith. Ou Lilith, fille de Méphisto, le père secret de l'humanité. Son emprise pardon, sur Sanctuaire corrompt profondément les cœurs des hommes et des femmes. Elle se nourrit de leurs vices et fait de ce monde un endroit sombre où l'espoir n'existe plus. Elle est magnifique, regardez, c'est elle. Un monde ouvert pour explorer Sanctuaire. Ah, d'accord. La campagne de Diablo 4 étend l'univers du Sanctuaire d'une manière inédite. Libre d'explorer un monde complètement ouvert, les joueurs pourront s'aventurer dans cinq zones uniques et dangereuses dans l'ordre de leur choix, sans être interrompus par des temps de changement pendant leur voyage. Génial ça. Enfourchez votre monture et parcourez le monde pour participer à des événements publics avec des joueurs d'autres joueurs. Ou explorez les villes pour former des groupes et commercer. Défiez un boss or intense ou provoquez des joueurs en duel pour vous couvrir d'or et de gloire. Le monde et ses dangereux habitants n'attendent que vous. Bien qu'il soit dangereux de voyager seul, putain, mais, et dégage. Bien qu'il soit dangereux donc de voyager seul, vous préférez peut-être parcourir Sanctuaire en solo. Vous êtes libre d'explorer la campagne à votre rythme, de piller des donjons aléatoires pour trouver un butin rare et d'acquérir des objets sans faire partie d'un groupe. Des donjons spéciaux vous offriront une nouvelle expérience à haut niveau, que vous soyez en solo ou en groupe jusqu'à 4 joueurs. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Suivant, les classes de Diablo 4. Les joueurs pourront faire leur choix parmi 5 classes uniques dès la sortie du jeu. Commençons par trois grands favoris des fans dévoilés aujourd'hui à BlizzCon. Barbare. Écrasez vos ennemis et foncez au cœur de la mêlée sans aucun soupçon de crainte. Sorcière. Je l'ai embrassée, yes. Embrassez ou foudroyez vos ennemis grâce à l'incommensurable puissance des arcanes. Druide. Alternez entre vos formes primordiales et déchaînez la fureur de la nature. Davantage d'informations ainsi qu'une présentation détaillée de ces nouveautés et plus sont prévues pour demain. Alors restez à l'écoute et suivez ces pages pour en savoir plus. Blablabla, Diablo 4. Ah, c'est une bref partie, hein. Il n'y a pas tellement de choses, mais bon. Mais bon. Et vu qu'il n'y a pas tellement de choses, je vais vous présenter donc la fameuse cinématique de Diablo 4 qui dure 9 minutes. Comme ça complétera et ça vous fera au moins un épisode spécial avec quelques visionnages en prime pour vous présenter. Allez, je vous laisse regarder ça. Les amis, bonne vidéo. Ta sagesse divine me guide. Silence! Quand les ténèbres m'appellent. Hey, la ferme! Ils ont flairé notre piste. Courez! Béni soit Akarat, que ta lumière éternelle me protège, que ta sagesse divine. Regarde-moi! Juste derrière cette porte, des montagnes d'or nous attendent. Non. Non, je ne cherche que la connaissance. Ils arrivent!
Je sais, oui. Et maintenant, brise le sceau. Ouvre-nous cette porte! Oh, lumière, aide-moi! Par trois, des hommes! Par trois, la voix ouvriront. Le sang montre. Ça n'a aucun sens. Le sang. Voilà, c'est ça la clé. Hey, le sang est la clé! Quoi? J'ai besoin de deux personnes! Vite! Allez, ici! Je les retiens! Allez! Alors, il est écrit que le sang de plein gré doit se répandre. Non, mais dites-moi que je rêve! C'est trop tard pour lui. C'est triste qu'il soit mort. Ah, après tout, c'est la vie. Ça sera plus simple de diviser l'or en trois. Il est forcément quelque part par là. Déchiffre ça! Par trois des hommes, par trois la voie ouvriront par... par le sang de... plein gré. Gloire... gloire au... au Créateur. Gloire... gloire à la fille de... Oh non, 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 et non... Et notre or dans tout ça? Où est-ce qu'il est? On s'est fourvoyé. Il s'agit d'une invocation. Je refuse de continuer. Ne mens pas! On est venu ici pour un trésor. C'est quoi cet endroit? Je ne sais pas. C'est peut-être... peut-être que c'est un temple. Ou une tombe. C'est un portail. Béni soit Akarat, que ta lumière éternelle me protège, que ta sagesse divine me guide, que les ténèbres m'appellent, guide mon âme vers ta lumière sacrée. Depuis l'abîme, apporte-nous le salut. Par trois des hommes, par trois la voie ouvrirons. Par le sang de plein gré. Nous t'appelons en ton royaume. Bien. Oh, béni soit Akarat, que ta lumière éternelle me protège, que ta sagesse divine me guide, que les ténèbres... Ouvre les yeux. Lumière éternelle, protège-moi, lumière éternelle, protège-moi, lumière éternelle, protège-moi, lumière éternelle, protège-moi, lumière éternelle. Il n'y a pas de lumière ici. Tu es venu chercher la connaissance dans les ténèbres. Oh, oui. Et tout le savoir que tu cherches est ici,
Soumets-toi. Prononce les mots. Ramène-la. Par trois des hommes. Par trois, la voie ouvriront. Par le sang versé de plein gré, nous invoquons ton nom. Gloire à elle, fille de la haine, créatrice de sanctuaires. Gloire à Lilith. Et bien voilà, après cette petite cinématique qui spoil un peu le début, je pense, de Diablo 4, nous stoppons là pour cette vidéo. Donc les amis, c'était Dragonfire, j'espère que cette vidéo vous plaira, vous aura plu. N'hésitez pas à te faire un petit like et un petit commentaire. Et on se retrouve prochainement pour savoir un petit peu plus sur Diablo 4. Allez, ciao à tous les amis.